Depuis toujours, l'homme tente à expliquer l'univers par des lois. Celles régissant les sciences naturelles partent d'observations ou d'hypothèses visant à expliquer tel ou tel phénomène. Et elles font foi aussi longtemps que des observations ou théories nouvelles ne viennent pas les contredire. Ce sont les principes de la physique dite classique. Le phénomène de la lumière a toujours soulevé de grands débats. Vers 1704, Isaac Newton avance sa théorie selon laquelle la lumière est composée de particules, à l'opposé de Christian Huygens qui en défend le caractère ondulatoire. La science retiendra le concept de Newton. Jusqu'à ce que Thomas Young, un autre physicien anglais, vienne prouver le contraire. Ses expériences démontrent que la lumière se comporte comme une onde. Mais connaît-il des phénomènes que la science ne peut expliquer? Celui qui va chambouler la physique classique est en même temps un de ses ardents défenseurs, Max Planck. Max Planck est né le 23 avril 1858 à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Il est le sixième enfant d'une famille aux qualités dites prussiennes, respect, droiture et discipline. En 1867, le père, professeur de droit, est nommé à l'université de Munich. Au lycée, le jeune Max séduit les professeurs par son application et ses talents multiples. Le piano devient sa grande passion pour la vie. En 1874, il entame ses études de physique à Munich, malgré le conseil défavorable d'un de ses professeurs prétendant qu'il n'y a plus rien à découvrir dans cette discipline. Trois ans après, le jeune Planck poursuit ses études à l'université Friedrich Wilhelm de Berlin sous Hermann von Helmholtz et Gustav Kirchhoff, deux des plus éminents physiciens de l'époque. Planck se passionne pour la thermodynamique et en fera le sujet de sa thèse. Après avoir gravi les premiers échelons à Munich et Kiel, il est appelé à l'université de Berlin pour y diriger l'Institut de physique théorique. À la fin du 19e siècle, l'industrie des techniques d'éclairage est en plein boom. On s'acharne à développer des critères de qualité pour les ampoules d'éclairage. Les physiciens traquent les lois qui font que des corps chauffés émettent des rayonnements caloriques ou lumineux. Et ils sont tous convaincus qu'une élévation de chaleur entraîne une augmentation du rayonnement lumineux. Une théorie qui a ses défauts. Exemple. Lorsqu'on chauffe de l'acier, sa couleur se modifie selon la température atteinte. L'énergie thermique se transforme en énergie lumineuse. Suivons plus loin ces savants. Selon eux, plus la température de l'acier augmente, plus ce dernier émettrait d'énergie lumineuse, jusqu'à diffuser des rayons ultraviolets que l'œil humain ne perçoit pas. Logiquement, l'acier deviendrait invisible. Mais aucune expérience ne vient étayer cette hypothèse de la physique classique. L'acier reste bien visible. Cette apparente contradiction irrite les chercheurs, dont Planck. Lui aussi veut enfin comprendre ses rayonnements. Pendant 5 ans, il s'acharne à décrire le phénomène avec les outils de la physique classique. Mission impossible. Exaspéré, il jette aux orties ses convictions et échafaude une autre théorie. Les échanges d'énergie entre rayonnement et matière ne se feraient pas de manière continue, mais sous forme de paquets d'énergie, de quantas. Cette quantification de l'énergie rayonnante peut se comparer à un filet d'eau qui ne coule pas en continu, mais par gouttes.
L'énergie rayonnée n'est que le multiple de ce quantum que Planck appelle la constante représentée par petit h. Dans sa loi spectrale du rayonnement, l'énergie rayonnée est le produit de la constante petit h et de petit f, la fréquence émise. La fréquence et l'énergie sont des données bien familières aux chercheurs. L'exploit de Planck, c'est d'avoir introduit la constante. Pour étayer son concept, Planck, le théoricien, a besoin du concours d'homologues capables de le confirmer par des mesures. C'est ce qu'ils font. Ils définissent même la valeur infime de sa constante. Elle vaut 6,626 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Le 14 décembre 1900, il expose sa loi spectrale du rayonnement en insistant sur l'importance de cette constante qui portera son nom. Cette journée sera considérée par les scientifiques comme l'acte de naissance de la théorie des quantas et d'une ère nouvelle de la physique. La nature ne saute pas, disait Planck. Sa constante prouve cependant que cela lui arrive. Planck est le premier à en être bouleversé. Comme nombre de ses homologues, il doute que sa constante soit vraiment immuable. Au fond de lui-même, il espère découvrir une autre loi spectrale qui correspondrait à la doctrine de la conservation de l'énergie et rendrait inutile la constante. Planck retourne à ses sources, les recherches sur la thermodynamique. Dans les années qui suivent, il se consacre aussi à ses nombreuses tâches politico-scientifiques, membre du comité directeur de la Société de physique, doyen de l'université et secrétaire de l'Académie prussienne des sciences. En 1919, un an après la fin de la Première Guerre mondiale, il reçoit le prix Nobel pour la découverte de la constante. Pour rendre les honneurs à Planck, il convient de parler aussi d'une autre découverte de très grande portée, celle d'un génie, Albert Einstein. À cette époque, Einstein est expert en brevets dans la ville suisse de Berne. Planck s'intéresse de près à la théorie de la relativité restreinte du jeune physicien. Il la publie dans les Annales de la physique. Et il s'investit à fond pour faire venir ce génie précoce à l'Académie des sciences de Berlin. Les deux chercheurs, loin d'être d'accord sur tout, se lient pourtant d'une amitié qui les unira de longues années. En 1905, Einstein explique le phénomène photoélectrique en s'appuyant sur la constante de son aîné. Il est le premier à avoir compris la portée de la constante de Planck. Mais que signifie cet effet photoélectrique ? La lumière, en frappant une plaque métallique, peut en extraire des électrons. Mais cela dépend de sa longueur d'onde et de sa fréquence. Ainsi, la lumière violette est capable d'extraire des électrons. Sa longueur d'onde est plus courte et sa fréquence plus élevée que celle de la lumière rouge qui n'y arrive pas, peu importe la quantité de lumière envoyée. La théorie ondulatoire de la lumière ne peut expliquer ce phénomène. Einstein émet donc l'hypothèse que la lumière se compose de corpuscules appelés photons. Si l'énergie qu'un photon confère à un électron est assez forte, ce dernier peut s'arracher au métal. Un photon de lumière violette ayant une fréquence plus élevée, autrement dit plus d'énergie que celui de la lumière rouge, arrive à faire seul ce dont une nuée de rouge est bien incapable. Afin de pouvoir évaluer la quantité d'énergie requise, Einstein formule la thèse selon laquelle l'énergie des photons est le produit de leur fréquence et de la constante de Planck. Le petit h.
Les expériences du physicien américain Robert Millikan viendront étayer cette théorie. Elle vaudra au début des années 20 du siècle dernier le prix Nobel à Albert Einstein. Einstein, en appliquant la théorie des quantas, démontre que la lumière est à la fois corpusculaire et ondulatoire. La vieille querelle sur la nature de la lumière est enfin vidée. Et les incrédules quant à la valeur de la théorie des quantas finissent par se taire, surtout depuis que celle-ci a pu être appliquée à d'autres phénomènes. Ainsi, grâce aux quantas, le physicien danois Niels Bohr a créé son modèle de l'atome. Celui d'Ernest Rutherford représentait l'atome sous forme d'un noyau dense et positif autour duquel gravitent des électrons négatifs. La stabilité de l'atome s'explique. La force d'attraction entre ses charges contraires est neutralisée par la force centrifuge des électrons. Pas logique, car des électrons qui bougent sans cesse devraient perdre de l'énergie, ralentir leur course et se fondre finalement dans le noyau. Mais les atomes restent stables. Il faut donc trouver une autre explication. Bohr suppose que les électrons gravitent autour du noyau sur des orbites bien définies qui leur évitent toute perte d'énergie. Les orbites plus proches du noyau sont moins énergétiques que les orbites plus éloignées. Lorsqu'un électron saute d'une orbite à une autre plus énergétique, il doit absorber un quantum d'énergie, un photon. En revenant à l'orbite initiale, il réémet ce quantum. C'est ce que l'on appelle le saut quantique. Une fois de plus, l'énergie absorbée ou réémise est égale au produit de la constante de Planck et de la fréquence du photon. La théorie des quantas a définitivement fait ses preuves. Avec sa constante, Planck a inventé une nouvelle branche de la physique, consolidée plus tard par Einstein et notamment Niels Bohr. Leurs travaux ont vraiment ouvert la voie à la physique des quantas, qui explique le microcosme des atomes et des particules infimes. Une science qui a révolutionné notre quotidien en nous apportant l'ordinateur et le laser avec ses innombrables applications. Sans elle, la technique médicale serait plus pauvre. La tomographie par résonance magnétique n'existerait pas. Elle permet de reconstruire en trois dimensions le corps, évitant ainsi aux patients le désagrément de nombreux examens successifs. La tomographie par émission de positrons permet d'observer des processus métaboliques afin, par exemple, de localiser des cellules cancéreuses dont le métabolisme est différent de celui de cellules saines. Une autre application de la physique des quantas, une miniaturisation de plus en plus poussée des puces qui rendront les ordinateurs toujours plus rapides et plus puissants. En découvrant, au début du XXe siècle, la constante qui porte son nom, Max Planck est bien celui à qui nous devons tous ces exploits techniques.